Bienvenue dans le Lovescope. Serez-vous d'humeur coquine, passionnée ou tendre? Voici le baromètre de vos amours. Balance, ah mince, vous allez fauter big time avec la meuf de votre patron. Vous êtes dedans jusqu'au cou. Scorpion, vous êtes en mode Don Juan, le verbe haut, le regard fier, la testostérone assumée. Ça passe ou ça casse, et pour sûr avec cette attitude, c'est pas forcément les plus futés que vous attirez. Sagittaire, vous essayez de perdre du poids et ça ne marche pas. Tapez-vous une grosse, l'illusion d'optique vous donnera l'air plus fin. Malin. Capricorne, vous avez envie de rompre, l'herbe paraît plus verte ailleurs. Mais vous ne passez pas à l'acte car vous n'avez personne d'autre en vue. C'est lâche, c'est très lâche, c'est même tout petit, minable. Verseau, vous fantasmez sur une mère et sa fille. C'est un classique, hein? Pas de soucis, pas de drame, à une condition, vous ne le leur révélez pas. Poisson, vous allez faire un plan à trois, avec une femme et un homme. Vous ne saviez pas? Vous êtes bisexuel? Ah mais si, si, puisque je vous le dis. Bélier, ça fait plusieurs mois que c'est calme dans votre lit, hein? Vous avez regardé tous les épisodes de Game of Thrones deux fois, vous commencez à prendre du poids, vous êtes un peu aigri. Attention, vous virez vieux garçon. Arrêtez de refuser toutes les invitations. Taureau, qu'est-ce qui vous arrive? Niveau sexo, en ce moment, vous régressez au Moyen-Âge. Pas de préliminaires, des coïts rapides, brutaux, des grognements animaux. Vous devriez sortir vêtu d'une peau de bête pour annoncer la couleur. Gémeaux, votre mère vous soupçonne de prendre de la drogue. Bon, je sais, vous avez 37 ans, de quoi elle se mêle? Bah, je sais pas, moi, c'est votre mère. Demandez-lui à elle. Cancer, vous allez bien vous amuser au pieu cette semaine. Votre partenaire vous comble, elle est prête à tout. Donc oui, c'est le moment de proposer innocemment. Ouais. Vous savez de quoi je parle? Pas la peine de rougir. Lion, une personne complètement folle va essayer de vous séduire. Vous êtes dubitatif, mais vous la ramenez quand même chez vous. Mauvaise idée, ça va mal se terminer, vous allez gagner un coquard à l'œil droit et vous allez finir par la jeter sur le palier. Vierge, ça fait plusieurs semaines que vous croisez ses yeux pétillants. Et soudain, vous croisez les yeux pétillants de haine de son mec qui vous a grillé. Fuyez! Le Lovescope, c'est fini. Je vous souhaite des nuits aussi douces que torrides.